rapide, El Shaddai apparaît, El Rapha guérit, El Jireh a donné. La promesse tarde à ton là. Jamais je chanterai ton nom. Oui.
à jamais je sentirai ton nom. Et le vent, Jorifio El Shaddai. Danser, danser, danser pour lui. Comment ne pas pousser des cris de joie, acclamer son nom. Comment, 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 oh, balabagabon. Et
sa parole pour aujourd'hui. Mercredi 12 février, quand vous vous trouvez acculé le dos au mur. C'est pourquoi le nom de Baal Peratsim fut donné à ce lieu. 1 Chronique, chapitre 14, verset 11. Êtes-vous aujourd'hui acculé le dos au mur, incapable de trouver une issue de secours? Prenez exemple sur David. Il a traversé au cours de sa vie bien des épreuves qui l'ont conduit à faire de plus en plus confiance en Dieu et surtout à lui obéir. Examinons l'une d'elles. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta Dieu en disant « Monterai-je contre les Philistins ?» 1 Chronique, chapitre 14, verset 9 à 11. Remarquez la manière d'agir de David. Premier. En premier lieu, il savait que Dieu était avec lui et qu'il avait été appelé à régner sur le peuple d'Israël. David reconnut que Dieu l'affermissait comme roi d'Israël. Verset 2. Dieu avait choisi David et il vous a choisi également. Il vous a appelé à le servir et à faire partie de sa famille et vous a donné en garantie son propre esprit. Cette certitude devrait vous rassurer et vous encourager à aller de l'avant sans vous laisser impressionner par les manœuvres de l'ennemi. Deuxièmement, en second lieu, sûr du soutien divin, il consulta Dieu et demanda « Monterai-je contre les Philistins ?» Il ne se précipita pas dans la bataille, mais rechercha les conseils du meilleur stratège qui soit. Quand tout va mal autour de vous, faites-vous la même chose que David ? Ce que Dieu aime, c'est votre obéissance et votre confiance. Approchez-vous de lui et consultez-le avant de vous engager dans quelque voie que ce soit. Si vous accomplissez sa volonté, il vous garantira la victoire. Troisièmement, il exprima sa gratitude, conscient que la défaite des Philistins était entièrement due à